Alors, c'est le début de mon péripétie dans la plus grande ville du monde. OK? Je me suis perdu bien raide. J'ai décollé de la voie de contournement qui devait me mener à la I-95 South. Mais moi, j'ai descendu la I-87 South jusqu'au bout. Parce que comme un aimant, on dirait que mon char était attiré par quoi? Par l'immense centre-ville. Et c'est la première fois de ma vie que je voyais ça, un arrivé à New York. Tu sais, c'est comme si t'arrives juste avant que le trafic embarque. Il fait super beau, là, super beau. Une journée de novembre, il fait 20 degrés, 20, 22. Ah, qu'il fait beau. Belle journée pour rencontrer la plus belle ville du monde. Une des plus belles villes du monde, assurément. Puis, ça a été tellement une aventure simple que de me retourner, mais compliquée en même temps. Vraiment compliquée parce que c'était écrit juste sur des feuilles de papier. Puis là, il fallait qu'il y a pas que je manque tel coin de rue. Puis, astie, c'est incroyable. Il n'y a rien là, Montréal, man. Conduire à Montréal. Mais c'est pas stressant conduire à New York. C'est vraiment pas stressant, là. C'est, le monde sont habitués, ils conduisent bien. Ça se bouscule un peu moins qu'à Montréal, tu sais. Il y a moins de bouchons. Je trouve qu'il y avait moins de bouchons. Mettons, je voyais moins de réparations, tu sais. J'ai pas vu de compte. Si, j'ai pas vu de compte quasiment. Puis, laisse-moi te dire que ça a été toute une aventure. Mais c'est pour ça qu'on vit, hein? C'est parce que la vie, c'est plate, c'est tout le temps tout organisé, mais ça va être un beau moment, une belle découverte avec New York. Puis je l'avais pas souvent vu, cette ville-là. Je l'avais transféré d'un aéroport à l'autre à un moment donné hein, pour un vol d'avion. Je l'ai vu de l'extérieur un couple de fois. Mais garde, hey, c'est une ville mythique pour moi. Alors, merci aux employés qui m'ont écrit le chemin sur 3 feuilles de papier, 8,5 par 11, bien pleines. Moi, comme Montréalais, je pense que j'aurais été capable de dire à n'importe quel touriste perdu ben raide dans Hochelaga, Rosemont, Saint-Laurent, West Island, I don't care, Pointe-aux-Trente, six plateaux. Je vais leur dire comment se rendre à New York. S'ils veulent se rendre à Québec, ils vont se rendre à Québec. S'il faut qu'ils aillent dans Laurentides, à Mont-Laurier, moi, ils envoyer là-bas ou à Sherbrooke, dans l'autre coin, ou bien même à Ottawa. Je suis capable de m'orienter parfaitement dans ma ville, mais c'est... À New York, c'est quoi? C'est 8 fois, 10 fois le centre-ville de Montréal, à peu près. Fait que, ça parle, ça. Life was good. Le voyage continue. On est crinqué bien raide. Là. On s'en va en Caroline du Sud, puis on arrête en Caroline du Sud parce que vous vous rappelez d'un petit épisode qui s'appelait Nicole, une belle petite tempête tropicale. Mais moi, ça tombait bien que j'étais en Caroline du Sud, épuisé d'avoir conduit toute la nuit, puis que crime, l'ouragan tropical ne passait pas là. Fait que j'ai eu à peine de pluie. Juste un peu. All right. Alors, je vous dis salut. À plus.